Dans cette vidéo, j'unboxe une nouvelle carte graphique, mais j'ai aussi cassé mon téléphone ainsi que ma souris. Non, 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 mec, mec, je devais réinitialiser la console. Truc de ouf. Attends. Oh non, fils de pute, je l'ai vraiment cassé, écoute. Et sans doute un disque dur. Restez bien tout le long de la vidéo, c'est très important. Sur ce, bonne vidéo à vous. Ok les gars, regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ce colis, dedans il y a quoi? Il y a tout simplement ma carte graphique. Je pense que cette vidéo va être super cool malgré que j'ai une vieille tête. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale. Je peux en faire tous les jours des vidéos comme ça, je vous le garantis les amis. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ma carte graphique que j'ai achetée sur Top Achat. Ils n'ont pas fait partenariat avec moi. Donc voilà, j'ai tout payé, je vais changer un petit peu mon PC. Donc je vais changer tout simplement la carte graphique. J'ai pris tout simplement une GTX 2070 ou une RTX, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une 2070, pour changer un petit peu ma carte graphique parce qu'elle est vraiment mauvaise. Dans cette vidéo, j'ai plusieurs annonces à vous faire les amis. Déjà dans un premier temps, je tiens à vous dire que j'ai un Discord, le lien sera dans la description pour tout simplement rejoindre ce Discord. Ensuite, la deuxième chose, ce sera de s'abonner. Je demande juste ça, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, cliquez sur le bouton rouge juste en bas de la vidéo et puis voilà, ça me ferait super plaisir et au moins vous serez abonné pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai aussi changé mon logo, vous avez vu mon logo, ma bannière, mon pseudo aussi. J'ai rajouté le slime derrière, je trouve que ça fait mieux. Du coup c'est sans surprise que je vais vous dire que je vais reprendre les vidéos Fortnite à fond. Enfin je vais me lancer plus dans le Fortnite, un peu moins dans l'unboxing. Mais attention, sans arrêter les amis, je vais toujours continuer. Donc voilà, ça fait pas mal de nouvelles. Aussi juste avant, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur les amis, GX le slime, dans la boutique d'objets Fortnite. Ça m'aiderait un petit peu parce que je viens de faire un gros achat et ça fait un petit trou dans mon petit porte-monnaie. Merci infiniment à ceux qui le mettent. Prenez 2 secondes et mettez-le. Ça peut vraiment m'aider les gars. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire et à le marquer en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Ok, donc je vous explique. J'étais en live et là je voyais que bah ça faisait des mois que je voulais une carte. Et je me suis dit faut que je la prenne. C'est maintenant ou jamais. Et je l'ai commandé. Grâce à un code promo, j'ai pu me prendre la livraison express. C'est un code promo que j'ai trouvé sur leur site. Et du coup, ça fait que j'ai reçu en 24 heures. Donc c'est plutôt pas mal. On va pas se le cacher. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu une mauvaise tête, on va dire. Là, clairement, les gars, je me suis levé assez tôt pour essayer de réceptionner le colis. Donc on passe en vision unboxing. C'est parti. Et bien re les amis, on se retrouve en vision unboxing. Donc je pense que l'unboxing va pas s'éterniser. Et étant donné que ce qui nous intéresse réellement, bon, c'est quand aller brancher et quand aller sur le PC. Parce que honnêtement, sinon ça fait un petit peu kéké tuning quoi. Je veux dire, on va pas regarder tout ce qu'il y a dessus. Genre même s'il y a des LED et tout, on s'en fout, ça fera pas la performance en jeu. Par contre ce carton, il est mystique gros. Je sais pas comment on l'ouvre, c'est un mystère pour tout le monde. Mais allez putain, mais je vais 8 ans, je viens de recevoir un colis à 500 balles. Voilà, c'est pas compliqué, c'est... Ouah, merde. Alors les amis, voilà ce que ça donne. C'est une boîte comme ça, GeForce GTX 2070, Armor, MSI. Donc voilà, c'est une MSI pour ceux qui voulaient savoir. Il y a 2 ventilos, c'est pas une triple. On va l'ouvrir et puis voilà, on va faire attention quand même. Parce que la casser, alors qu'elle coûte visiblement assez cher. Enfin visiblement, non, vous voyez pas le prix, mais vous avez compris. On va la sortir comme ça. Alors, une couche de protection. Voilà, dans une matière assez... Bah, voilà, qui protège bien, je pense. Une enveloppe MSI. Alors ça, c'est... Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ça, j'adore. Alors ça, je kiffe. Oh, mais ça pue. Oh. Alors, ce que j'adore, les amis, c'est qu'ils m'ont mis pas mal de trucs comparé à Top Achat qui m'a fait une pub pour un rasoir. Est-ce que tu vois des poils sur ma tête? Voilà, après, genre, chacun ses méthodes de marketing. Je mettrai sans doute pas de publicité à un client de 500 euros. Bref, petit détail. Ok, donc, ouais, je suis même pas majeur, mais ouais. Ok, bref, je vous remercie pas du tout, les gars. Oh mon gars, mais elle est lourde la carte. Comment ça va tenir sur mon. Ok, donc elle est tout simplement dans cet emballage. On va enlever l'emballage, on va faire attention parce que je pense que on peut endommager un petit peu le composant. S'il y a de l'électricité statique ou je sais pas quoi là. Mais bon, je pense qu'il y a une chance sur 1000 d'arriver, que ça arrive. Donc voilà, on s'en fout un petit peu. On va l'ouvrir délicatement les amis. Vraiment, honnêtement, j'ai pas envie de faire le con là. Je remercie aucune marque qui a voulu coopérer avec moi. Clean, tout ça c'est clean les gars. On va le poser tout simplement sur. On
Ensuite, bah, les amis, on va simplement brancher la carte. Ouais, elle est un peu blanche, elle est cool. Ouais, mais après, on s'en fout. Nous, c'est en jeu que ça nous qui nous intéresse. On va la brancher. On se retrouve en vision par terre, debout, assis sur mon PC. Et puis, c'est parti, les amis, pour brancher cette foutue carte. C'est vient de s'éteindre. Alors, comme vous voyez, il y a une carte graphique MSI. Toujours MSI, les gars. Je sais pas pourquoi j'aime bien. 960 qui date vraiment. Donc, les performances sont, je pense, beaucoup moins bien que la nouvelle. Enfin, c'est logique. Sinon, bah, il n'y a aucune utilité que je paye 500 balles la carte. Ok, donc c'est parti. On va essayer d'enlever ça. J'ai pas trop envie de bouger le PC. Ah oui, il y a de la poussière là. C'est pas mal là. Ah ouais. Comment on enlève une carte graphique? On appuie là. On tire? Ah non. Non, merde. Pourquoi ça veut pas? Il y a des trucs branchés dessus. Allez, là, je veux tester Fortnite Battle Royale là. Allez. Je sais pas enlever une carte graphique, les amis. Qu'est-ce qui vient de tomber là? C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi, ça vient d'où ça? Putain. Bon allez, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Les gars, j'en peux plus, je sais même pas si ça va fonctionner. Bon allez, on allume, mais si ça fonctionne pas, bah, je vais me pendre parce que là j'ai passé une heure là. Les amis, après moult et moult recherches et des heures de galère, sans mentir, de 11h30 jusqu'à 17h, j'ai galéré. Je n'arrivais pas simplement à allumer l'écran, ma carte graphique tournait, mais mes écrans ne détectaient rien du tout. J'ai vraiment pété un câble. Alors pour vous dire, j'ai cassé l'écran de mon Galaxy S8 suite à tous ces rages. Bah voilà, ça a fait ça. J'ai vraiment le seum en vrai. Voilà les gars, vous avez vu les fissures et bah ça fait assez chier quand même. Donc mettez tous mon code. Le soir, je suis donc sorti et après, le lendemain, j'ai réussi à trouver la solution. La solution est simple. J'ai pris l'alimentation de mon ancien PC qui est 20 watts plus forte car le problème était tout simplement le branchement de l'alimentation sur la carte graphique. Il manquait quelques pins et j'ai remarqué que sur l'alimentation de mon ancien PC, il y avait les pins qui correspondaient. Après des heures et des heures à avoir galéré, j'ai enfin trouvé la solution et voilà. J'ai mal aux jambes. J'en peux plus. Yes! Yes! Enfin! Oh yes, oh yes, en plus c'est en bonne résolution les gars. Ouh. Oh putain, le bordel. Regardez juste le bordel les gars, c'est hallucinant. Hallucinant. Tout ce que j'ai foutu par terre, y compris mon autre PC que j'ai complètement explosé pour essayer de prendre une nouvelle alim, la carte graphique, enfin voilà, en fait il me reste ça, ça. Et voilà, on va tester Fortnite les gars, j'en peux plus, je suis au bout, mais réellement quand je vous dis au bout du rouleau, c'est pas ah je suis au bout de ma vie, c'est vraiment je suis au bout du rouleau les gars, j'ai cassé mon téléphone aussi. Et bien les gars, on se retrouve sur Fortnite pour tout simplement tester la carte graphique. Alors voilà, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur JX le slime accepté. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. On va voir combien d'FPS je vais faire, mais je sais déjà à peu près combien je fais. Mais en record c'est un peu plus chaud parce que bah j'ai mis une meilleure qualité. Et voilà, tout simplement j'ai mis une meilleure qualité, du coup ça bouffe un peu plus d'FPS. On va quand même voir un petit peu les performances de cette carte graphique. Alors je suis en full low, donc normalement ça devrait aller. Je joue vraiment tout le temps comme ça presque. On peut voir que je reste à 240 FPS, même si ça descend un petit peu à 230, 238. Ouais, ça descend à 238, 220 minimum. Enfin maximum je veux dire. Attendez, vous savez quoi, on va augmenter les graphismes. On va mettre en moyen, mais je sais qu'il y a des trucs, par exemple post-traitement, anti-aliasing. Bah ce sont des trucs qui bouffent énormément, même en moyen. Donc je pense que je vais bugger un peu quand même. Ok, let's go pour faire la map. Bon après tout va bien les gars, franchement déjà les recs ne bugueront plus. Ensuite les lives bah non plus. Enfin j'arriverai bien à encoder. Mais sinon normalement l'image bah va être beaucoup mieux, vu que c'est la carte graphique qui va encoder les images que j'enverrai sur YouTube. Ok bon bah ça c'est simple, ok. Enfin c'est simple et surtout bah c'est fluide surtout. Mais après je me suis un petit peu habitué parce que en scred j'ai joué un petit peu avant de faire la vidéo. Étant donné que ça a pris du temps et tout, j'étais impatient de tester. Ça c'est simple et je trouve que les couleurs elles sont pas meilleures, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jeux de lumière ou quoi. Bah du coup ouais, avec la qualité que j'ai mis, ouais c'est sûr. On va essayer de mettre un epic ça. Ok c'est archi stylé. C'est archi stylé vraiment. Et si on met le flou de mouvement, qu'est-ce que ça fait? Flou de mouvement oui. Oh c'est ultra stylé. Vraiment no fake, j'avais même pas vu ça en rec. What the fuck. C'est ultra stylé les gars. Vraiment. Mais c'est ultra bien. Non non non. Non 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 mec. Non. Non mec. Mec, je devais réinitialiser la course. Truc de ouf ça aussi là. Oh tombe fils de pute. Non mais c'est un truc de ouf. La construit, elle était réinitialisée depuis 8 ans. Non, non, ma réinitialisation.
Ah bâtard. Je t'ai même pas vu. À la fin, je t'ai pas vu. Souris de merde, gros. Stream ne cesse jamais, là. Fils de pute. Attends. Oh non, fils de pute, je l'ai vraiment cassé, écoute. Non, mais. Là, écoute, écoute ce qu'il a fait quand je la bouge. Il y a un truc là.